Surtout ne pas se relâcher parce que dans nos têtes, on pense pas que ça va être un match facile. Ils ont des joueurs de qualité comme dans chaque équipe. Tous les matchs qu'on joue, rien n'est acquis. C'est à nous de montrer qu'on a de l'envie et pourquoi pas essayer de prendre les 3 points. La semaine, on a bien travaillé et maintenant qu'on a un peu plus cette équipe d'Orléans, il ne faudra pas sous-estimer surtout qu'on joue chez eux. C'est une équipe physique. Ils ont besoin de points pour se maintenir. Donc, à nous de faire bonne figure et continuer sur notre lancée. J'espère de mener le clapping devant les supporters. J'espère qu'ils vont venir nombreux nous soutenir comme ils l'ont fait ces derniers temps. Et j'espère que tout ira bien et on aura ce petit clapping à la fin du match. J'ai su rebondir, oui. Mais moi, c'est les choix du coach. Si le coach fait appel à moi, je répondrai présent. Je donnerai tout pour l'équipe et pour moi, rien n'est acquis. C'est le plus important, c'est de continuer à travailler. Grâce au coach, j'ai énormément progressé, surtout tactiquement. Donc, à moi de rester humble, écouter les coachs et prendre ce qu'il y a à prendre. Oui, la concurrence, elle est saine. Je m'entends bien avec Joe Biang, on échange souvent. C'est un bon mec. Même si c'est pas moi qui débute, je l'encourage. Et même si c'est pas lui qui débute, je m'encourage. Donc la concurrence, elle est vraiment bonne cette année. C'est un bon mec. Et du moment que nous deux, on peut apporter à l'équipe, c'est le plus important.